J'étais dégoûté, j'étais triste, mes frères et sœurs. Jared Cannonier s'est fait éteindre par Nassourdine. Vous allez dire, Guada, tu t'es encore trompé dans tes pronostics. Mes frères et sœurs, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était pas le Jared Cannonier qu'on a vu. Mais en tout cas, force à Nassourdine Imavov pour son message, mes frères et sœurs, qu'il a donné à la fin de son combat. Il a donné un beau message, mes frères et sœurs. Le message qu'il a donné, c'était force au Congo et à la Palestine. Énorme soutien à Nassourdine Imavov. Ouais, je retourne ma veste, y'a quoi? Ouais, Guada, tu t'es encore trompé sur tes pronostics, y'a quoi? Moi, j'ai jugé Nassourdine Imavov, mes frères et sœurs, par rapport au combat que j'ai vu contre Sean Strickland. Le Nassourdine Imavov de Sean Strickland, il a disparu, mes frères et sœurs. Je pensais que ça allait être le même. Mais là, on a vu un autre Nassourdine Imavov. On a vu que le changement de team, le changement de Fernand Lopez, l'a fait évoluer, mes frères et sœurs. Donc, ça veut dire que c'est à cause de Fernand Lopez qu'il a perdu contre Sean Strickland. Ça veut dire que les coachs qu'il a actuellement, ils n'ont rien à voir avec Fernand Lopez. Énorme soutien à Nassourdine Imavov. Maintenant, est-ce que je pense que Nassourdine Imavov peut devenir champion? Là, c'est autre chose. Mais en tout cas, je lui souhaite que le meilleur. Moi, ce que je conseille à Nassourdine Imavov, c'est de descendre de catégorie. Pourquoi? Parce que là, mes frères et sœurs, là, à partir du moment où il a passé Cannonier, là, les gars, il va commencer à taper contre des vrais gars. Et là, ça commence à être compliqué. Là, c'est Robert Whittaker. Là, mes frères et sœurs, c'est du Duplessis. Là, mes frères et sœurs, c'est du Sean Strickland, c'est du Adesanya. T'as capté? Là, ça commence à être des tueurs, mes frères et sœurs. C'est du Ramzat. C'est chaud, les gars. Là, c'est un autre niveau. Là, il peut affronter des Ramzat Chimaev, il peut affronter des Ikram Aliskerov, il peut affronter des tueurs, mes frères et sœurs. Donc là, mes frères et sœurs, je suis content pour lui parce qu'au moins, on a un Français d'origine tchétchène voilà, qui rentre dans le top 5. Et franchement, moi, je préfère que ce soit Nassourdine que ce soit Benoît Saint-Denis. Je préfère être clair avec vous. Ouais, Ogada Zéro, pourquoi tu dis ça? Benoît Saint-Denis, il n'aime pas les Noirs et les Arabes. Il voulait être policier, il voulait niquer les Noirs et les Arabes. Donc voilà. Benoît Saint-Denis, je ne vais jamais le soutenir. Et en plus, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Bref. Énorme soutien à Nassourdine Imavov. Je m'excuse de m'être trompé et de l'avoir jugé sur sa prestation de Sean Strickland, parce que moi, c'est sur ça que je l'avais jugé. Donc voilà, là, on a un vrai Nassourdine Imavov qui est vraiment un tueur, mes frères et sœurs. Et je pense que le prochain fight, ce sera peut-être contre Adesanya, je sais pas. Mais en tout cas, là, il mérite vraiment d'affronter les tops pour vraiment voir son niveau. Là, j'ai vraiment envie de le voir, mes frères et sœurs, contre... Là, ça y est, là, il a passé Cannonier, il a passé vraiment l'étape. Il a créé l'exploit, mes frères et sœurs. J'ai vraiment envie de le voir contre, ça y est. Soit contre Adesanya, soit contre, je sais pas moi, contre... J'ai envie de le voir contre une grosse star, mes frères et sœurs. Une big star. Là, il mérite vraiment de devenir une vraie star, là, Nassourdine. Là, on veut vraiment qu'il devienne une vraie star. T'as capté? Et Inch'Allah que Baki, si Dieu veut, il va à l'UFC. Parce que Baki, maintenant, moi, j'ai envie de le voir à l'UFC aussi. Parce que ça y est, Nassourdine, ça y est, il est à l'UFC, il est en train de tout niquer et tout ça et tout. Ça fait plaisir. Mais moi, j'ai envie de voir Baki aussi, mes frères et sœurs. Doumbé, ça y est, m'a énervé. Doumbé, je le kiffe et tout ça, je vous dis la vérité, je l'apprécie. Mais il aime trop l'oseille, t'as vu? C'est un mec, il aime trop l'oseille, il n'a pas compris que la legacy, ça passe avant l'oseille. Moi, j'ai toujours donné des bons conseils aux gens. J'ai toujours dit, la legacy, c'est avant l'oseille. C'est pour ça que les Rabib, c'est devenu des légendes. C'est pour ça que mes frères et sœurs, les Makachev, c'est des légendes. Parce qu'ils ont choisi la legacy. Ils ont galéré pour devenir des stars. Ils ont galéré, mes frères et sœurs, pour être au top. Et maintenant, mes frères et sœurs, c'est des boss, cousins. Tu vois? C'est des multimillionnaires. Mais lui, il veut devenir millionnaire, Doumbé. Alors que c'est une grosse star à la base. C'est un mec, il est très fort en MMA. Il mérite d'aller à l'UFC. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait dans les PFL. Choisis la legacy, mes frères et sœurs. Et ce que je kiffe avec Imavov et Baki, les Tchétchènes, ils sont très intelligents. Ils ont compris que la legacy, c'était plus important que l'argent. Mais nous, les Renois, c'est toujours l'argent, 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 l'argent. C'est toujours ça, frérot. Toujours au cours derrière l'argent. Choisissez la legacy quand vous faites du sport. Choisissez, mes frères et sœurs, marquez l'histoire. Ne choisissez pas l'argent. Parce que quand tu marques l'histoire, l'argent, il va avec. Tu vois, je veux dire, quand tu marques l'histoire, l'argent, il va avec. Énorme force à Nassourdine Imavov.